أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. نعم، دونك عمران ابن حطان لا ايتي ان تابعي كي ايتي سور لا سنة، مي انسويت il s'est retrouvé sur la voie des Khawarij. Et pourquoi? À cause de sa femme qui était la fille de son oncle. Et cette dernière-là, elle suivait la voie des Khawarij. Et lui, il a épousé la femme, la fille-là, dans le but de la changer et de la ramener à la Sunna. Mais au contraire, c'est lui qui est sorti de la Sunna pour suivre la voie des Khawarij. À cause de qui? À cause de sa femme. Voyez-vous? À cause de qui? À cause de sa femme. Et on tire comme profit de cette histoire-là que le compagnon a toujours un impact sur son compagnon. Que ce soit la femme ou le parent ou l'ami. Vous voyez? Donc beaucoup de personnes se mélangent aux gens du faux en avançant comme preuve que je vais changer la personne. Vous voyez? Nous disons non, mon frère. Tu es en danger lorsque tu fréquentes les innovateurs. Tu es en danger lorsque tu fréquentes les innovateurs. Tu mets ta propre personne en danger. Et pire, tu mets ton din en danger. Ne te mélange pas avec eux. Et fuis-les comme tu fuis le lion, car ils vont te conduire à l'égarement. Et beaucoup de personnes sont tombées comme ça, voyez-vous. Imran ibn Khattan, par exemple, comment on disait, c'est un tabi'i qui a rencontré beaucoup de sahaba. Vous voyez? Mais à cause de l'influence de sa femme, il est tombé. Voyez-vous? Et qu'Allah nous préserve. Naam. Arju al-najata wa lam tashruk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. أنا لست صوفيا أطوف بقبة.